Quel pays que je suis déjà allé. Bon, je lui dis il faut qu'il me suit sur Facebook et puis qu'il va savoir. Et puis en même temps, bon, comme là aujourd'hui il fait chaud, ok, ça c'est un bus, c'est le bus, c'est le bus là. Ok, madame, monsieur, et puis je suis en France, n'oubliez pas. Et puis yes, et puis que je lui dis oui, que je vais lui partager une vidéo. Ok. Et puis qu'il m'a demandé pourquoi que je laisse Belgique pour la France. Bon, et je crois que ce n'est pas une bonne question parce que ce n'est pas que je laisse la Belgique pour la France. Je suis déjà laissé Haïti pour République dominicaine. Je laisse République dominicaine pour Guadeloupe. Je laisse Guadeloupe pour la France. Je laisse la France pour Belgique. Et puis, je suis déjà allé, je ne sais pas. 2 mois à Panama, et puis et 1 mois à Roumanie, et en Europe, ok? Et puis Dubaï, Thaïlande, et puis plein de pays, ok? Et Portugal, et puis Saint-Martin, et puis Costa Rica, et Mexique, ok? Et il y en a encore. Et en Europe, il y a un pays qui s'appelle Tenerife, c'est près d'Afrique. Ok, la Suisse, et puis en Allemagne, la Hollande, Luxembourg, un petit pays, mais très riche. Ok, et puis il y en a encore parce que je ne me souviens pas tout. Et puis voilà. Et puis tout autant qu'Emile Tchène est vivant, Emile Tchène va continuer à voyager. Ok, là, je vais vous montrer alentour, etc. La France, la Francia, estoy en Francia ahora. No porque alguien me ha preguntado cuánto país. Ah, usted sabe que a veces que estoy hablando un idioma y hablo otro idioma, me olvido. Alguien me ha preguntado cuánto país que yo he ido. Y yo estaba explicando cuánto país que yo he visitado en el mundo. Usted sabe quién está hablando, es Emile Tchène. Ladies and gentlemen, Emile Tchène here. I just explain them, I let them know how many countries I have been. I mean, how many countries I visit. I'm in France right now. Yo, what's up? Emile Tchène right now. Yeah, monsieur. Vous savez qu'il faut vous donner plusieurs langues français, anglais, espagnol, comme d'habitude. Have your back. Oui, et puis en même temps, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi j'ai détesté les bêtes. Oui. Je déteste les bêtes et les premiers, c'est les chiens. Je déteste parce que dans les continents américains, nous, on tue les chiens. On les tue, mais on ne les mange pas. Okay? Par exemple, en Chine, les Chinois, ils tuent les chiens, ils les mangent. Mais nous, on les tue, on ne les mange pas. Pourquoi on les tue? Parce que, vous savez que je suis né dans la campagne, là où il y a les mangues, il y a les avocats, il y a les fruits. Okay? Ce n'est pas comme en Europe. Oui, en Europe, vous voyez, il y a des arbres, mais il n'y a pas de fruits, il n'y a rien à manger dedans. Mais moi, je suis né en Amérique centrale, les arbres comme ça, parfois c'est des mangues, c'est des manguiers, c'est des avocatiers, etc. Il y a des fruits à manger. Par contre, quand ça tombe par terre, il faut que par terre soit être propre. Par contre, si on est vivant dans un coup, dans un lacou, et puis il y a les chiens, ou il y a les chats, il y a les bêtes, eh bien, quand notre fruit est tombé, on ne peut pas le ramasser. C'est pour la raison, nous, ou là où nous habitons, on tue les bêtes. Oui, c'est comme ça. Et puis, ce n'est pas que moi, c'est tous les pays en Amérique, sauf qu'il y a quelques personnes qui ont des bêtes, qui ont des chiens, mais c'est rarement. Quand on a les fruits, on a les mangues, d'abord, et pour ça, quand j'étais en Amérique, il y a des gens qui me donnent les mangues, je ne les prends pas, parce que je ne sais pas si chez lui, il n'y a pas les bêtes. C'est pour laquelle quelqu'un qui a les bêtes, moi, je ne mange pas chez lui. Oui, parce que c'est comme ça. Et chaque personne, on va dire que. Et chaque pays, chaque continent ont leur mode de vie, ont leur manière de vie, ont leur histoire. Ok? Et la Chine, c'est différent. La Chine, eux, ils tuent les bêtes et puis ils les mangent. Nous, on ne les mange pas. Ok? Par contre, en Europe ou dans les autres pays, ou les pays riches, bon, on va dire les pays riches, par exemple, eux, ils mangent avec les bêtes, ils dorment avec les bêtes, ils considèrent les bêtes comme c'est des enfants. Ok? Parce que extrêmement grave, mais bon, et c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est Emile Tchène. Et puis, je vous explique c'est quoi Emile Tchène. N'oubliez pas, restez branchés. Right now!